Saint-Pierre-des-Cuisines, je trouve ça magnifique. C'est un très beau lieu. C'est un très beau lieu qui est tellement... c'est vieux, quoi. Ça, c'est les vieilles pierres. C'est longtemps, comme on dit, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Hein. J'ai entendu, des personnes sont rentrées, et il y a des dames qui ont dit « Ah, mais on ne peut pas s'asseoir !» Et moi, j'étais là comme ça, et je me suis dit « Eh non !» Et j'ai souri, ça m'a fait sourire. Je me suis dit « Eh non, ici, on ne s'assied pas !» Et alors, donc, il y a eu la surprise, je suppose, je ne sais pas, je n'ai pas vu ces dames. Et alors, au fur et à mesure, les gens se placent autour comme ça, et c'est autre chose. Moi, je vous sens différemment. Ça, c'est pour moi. On va dire ça, c'est pour moi. C'est peut-être égoïste, mais c'est pour moi. Le bouton est né, donc, après... que les Japonais aient reçu la bombe. Hein. Et donc les intellectuels, les artistes ont pensé qu'il fallait un petit peu bouger. Tatsumi Shikata, un des fondateurs du Budo, voulait qu'il y ait un pont entre l'Orient et l'Occident. Et donc il a mis en place cette danse, si on peut appeler ça danse. Ça aussi, on pourrait discuter longtemps. Et en réaction, quand on va dire les choses jolies du Japon, je ne sais pas si vous connaissez le théâtre no ou le théâtre kabuki, qui sont tout à fait honorables, mais qui sont comme déjà comme élitistes un petit peu. Ils se sont rendus compte que c'était bien de prendre par rapport à un certain quotidien des gens. Un certain mal d'être des gens. Et alors, ils ont mis en place ces choses-là. Ça veut dire des choses comme essayer de renaître, essayer d'oublier, essayer de renaître. Ça peut être une certaine quête des origines, le Budo. Je dis bien une certaine et ça peut être. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est une certaine envie, un certain besoin de retrouver un certain archétype primitif. Une certaine neutralité. Ça peut être Budo. Que moi-même, je travaille encore. Le pourquoi du minimalisme. Le pourquoi de... rien, un peu vide, seulement organique, essayer, seulement un peu organique, oui. Je viens du théâtre gestuel, je ne viens pas de la danse, je suis très très éloignée de la danse contemporaine, dans le sens où je ne connais pas vraiment, j'ai jamais pratiqué, j'ai jamais fait. J'ai seulement fait théâtre gestuel et ensuite bouton. Alors j'avais déjà ça. Et quand après j'ai découvert le bouton, alors je me suis dit c'est ça que je veux faire. Parce que ce fait, il n'y a plus les mots, il n'y a plus d'explications. Seulement il y a un corps comme ça qui est là. Et qui dégouline. Et qui essaie tout d'un coup de se ressaisir. Et qui dégouline, et qui se ressaisit, et qui dégouline. La loi des contraires, la loi des oppositions, ça m'intéresse. Comme le jour et la nuit, comme le haut et le bas, comme la tête et le corps.
Mais après, c'est tout ce que vous voulez bien que ce soit. C'est-à-dire, c'est comme image aussi, hein. C'est image aussi. Image. On est dans un monde d'image et c'est aussi image. Ce que vous voulez bien voir avec ce corps et avec ce temps qui passe comme ça autour. Hein? J'espère que je suggère certaines choses. Que... il y a... moi, ce que je travaille, ce que je ressens, et il y a après le passage entre ce que moi j'acte comme ça, je présente quelque chose, je propose, et après vous, ce que vous recevez. Mais ensuite, ce que j'ai fait là, c'est pas ça part bien sûr d'une certaine intelligence, mais c'est surtout, j'espère, que ça part de quelque chose de plus organique, comme j'ai dit. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Ça veut dire que c'est comme on coupe la tête, hein, on coupe la tête, on voit... la perception des choses est à un autre niveau. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a... je n'espère pas, je ne cherche pas à faire la performance physique. Il y a quelque chose de très physique. Mais c'est pas ça. Je ne veux pas vous montrer, je ne veux pas vous proposer quelque chose comme performance physique. Il y a quelque part, mais ça, c'est propre à moi. Dans le sens où je décide de travailler certaines choses pour rendre disponible mon corps. Mais ensuite, c'est quelque chose qui est comme une certaine naissance. Ou à nouveau, une renaissance. Et ça, c'est après comme vous le percevez. C'est peut-être vous voyez seulement un corps blanc qui tombe. C'est aussi possible. Ou tout d'un coup, quelque chose de je ne sais pas, X chose. Hein? Mais en tout cas, c'est... on dit danse bouton parce que pour que ce soit plus compréhensible pour les gens. Parce que si on dit bouton, bien sûr, les gens ne connaissent pas obligatoirement s'ils ne sont pas très très branchés sur la danse. Sur le monde du spectacle. Mais en principe, c'est bouton. Et bouton, c'est un peu tout ça. C'est un peu des espèces de sauvages. Un peu des gens qui n'ont pas compris. Et qui essaient de comprendre pourquoi ils sont arrivés jusque-là. Parce qu'entre-temps, peut-être, comme on dit, ils ont zappé. Ils ont zappé le temps qui a passé. Alors ils disent, hop, je vais revenir à la case départ. Alors on fait le chemin inverse. Hein? C'est peut-être ça. Mais je dis bien, c'est peut-être. Si je fais une perf, c'est pour essayer un petit peu aussi de rencontrer un petit peu les gens. Mais avec leur énergie seulement. Là, on discute un peu et je n'ai pas envie que les gens me serrent la main et qu'ils me disent « Oh, bravo, vous étiez formidable, au contraire, vous étiez horrible. » C'est pas ça non plus, c'est seulement à ce moment-là, vous étiez autour. Et ça, ça me plaît. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui vit un petit peu isolé, un petit peu comme sauvage. Alors, tout d'un coup, quand je fais des perfs, alors ça me plaît de rencontrer les gens. J'essaie de les rencontrer réellement. Et c'est pour ça qu'on essaie un petit peu d'avoir un moment de discussion après. Et alors qu'on pourrait partir et dire « Ok, merci, et à bientôt, peut-être. » Mais un petit peu parler. Parce que nous sommes civilisés, bien sûr, alors on peut parler. Je ne suis pas que comme ça. Je ne vis pas comme ça, quand même. J'ai un quotidien, quand même. C'est pas si facile, d'autant plus que, par exemple, vous pouvez imaginer, j'ai vu la tête rasée, par exemple. Pour une femme, avec tout ce que cela représente, la tête rasée, et tout ça, pas de sourcils, puisque quand on fait des perfs aussi, j'enlève les sourcils, des choses comme ça. Il faut le temps que ça repousse, alors je me dis, tu te rends compte, cette femme, elle a ni cheveux ni sourcils. Alors c'est sûr que... Je comprends. Tous les danseurs boutons n'ont pas la tête rasée. Mais pour l'instant, j'ai besoin, ça m'aide. Ça m'aide pour avancer dans le travail.
Ça va. J'ai pas. Ça va. je le vis assez bien. Oui. Non, ça va. Je peux sourire encore. J'ai pas des instincts de suicide perpétuels. Non, ça va. Ça va. Ça va. J'espère que je suis quelqu'un qui est dynamique, qui prend la vie comme elle, que je prends l'amour. Je prends la vie parce que je peux prendre l'amour. Et inversement, hein. La peur, je crois qu'elle est là. C'est comme l'amour, elle est là. Et les gens, certaines personnes, quand je dis ça, ils ont peur, ils disent, oh là là, elle est morbide, elle est funèbre. Pour moi, non. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Si on parle de la vie, pourquoi ne pourrait-on pas parler de la mort? Pour moi, on parle du jour, on peut parler de la nuit, enfin, etc. Quoi. On parle des hommes, on parle des femmes, enfin, etc. Je pense que que les gens sont encore enfants, et qu'on essaie d'être adulte, et on passe toute sa vie à essayer d'être responsable, d'essayer de... Ok, je vais assurer. Et en fait, après on est dans son petit coin et on pleure, ou on est triste, ou... Et bien ces moments-là, je voulais pas que ce soit vilain.